Escortée par les mariniers de Loire, Jeanne d'Arc salue pour la dernière fois cette année la ville d'Orléans. Une fête populaire qui achève en apothéose le 600e anniversaire de sa naissance. Jeanne a libéré la ville en 1429 et quand les Orléanais se rassemblent pour la célébrer, c'est toujours avec ferveur. Là, pour le 600e, ils ont fait ça bien, au moins, pour la naissance beau, de Jeanne, en plus. Ah, bah, Jeanne d'Arc, c'est Orléans, hein. C'est énorme, Jeanne d'Arc, on a vécu avec. Symbolise l'histoire de France, une jeunesse un peu innocente qui fait face aux obstacles, hein, qu'on peut retrouver dans notre quotidien aussi. Pauline a incarné Jeanne tout au long de l'année. À 18 ans, elle reste pour elle un symbole. Elle a des valeurs qui sont très importantes, la foi, la persévérance, et ce sont des choses qui me motivent. Et c'est pour ça que la représenter, ça a été très très important pour moi. Orléans a consacré plus d'un million d'euros à cette année Jeanne d'Arc, un an de fête autour d'une héroïne qui traverse les siècles.